waheshimiwa wainvite wote, amjambo. Leo ni mashukuru sana sana kwa ajili ya wakubwa wenye wanatuchunga kwa kutuheshimisha kwa siku ya leo juu ya inauguration ya hii depot. Tuko shirika la Kikristo lenye kuhusika sana na kuboresha maisha ya mtoto, na kupitia hiyo tunatumika pia pamoja na wakaaji. Ndani ya hiyo muradi tunakuwa na kazi za kuboresha usafi, pia na kupana maji safi kwa wakaaji. Tunakuwa pia na muradi wa ukingo wa watoto, pia tunakuwa na muradi ya mlimo na namna ya kusaidia wakaaji, namna ya kuuzisha. Na hii depo iko moja ya hiyo makazi yenye tunafanya ndani ya kuboresha namna gani walimaji wanaweza kuendelea kwa kuongeza pato yao, na kupitia pato yao wanaweza kusaidia pia kuboresha maisha ya mtoto. Notre groupe. Alors ici, ça sera un dépôt transitoire. Les grands dépôts sont de l'autre côté à Shinda, mais ici nous allons faire la transition, parce que nous avons fait des contacts avec le commissaire de l'Ouganda. Nous avons amené les habitants ici, nous avons amené à l'Ouganda et qui sont à Kampala. Ils avaient dit qu'ils pourraient, ils peuvent, ils sont intéressés de venir ici, parce qu'on a même amené les échantillons à Kampala. Ils ont dit qu'ils sont intéressés, ils peuvent venir ici. Mais ils ont peur de l'insécurité. Ils nous ont suggéré si peut-être on peut amener nos productions juste à la frontière ici à Kitagoma, c'est là qu'ils peuvent prendre. Donc là, on a réfléchi qu'on peut mettre maintenant ces dépôts ici, les transitoires, pour que quand on a beaucoup de récoltes ici, on contacte nos clients là-bas, et puis ils viennent ici, juste traverser là-bas et arriver ici, ça ne peut pas leur poser un problème. Oui, c'est un peu ça. Même ni Bizimana Kubandiou. Nikiwa chef de village wa village Nyamagana. Moi je réponds au nom de ma mère de Muzige. Je suis chef de service en charge des questions humanitaires au niveau du territoire de Rutshuru. Aitika kwa jina la Jérôme Bagwiza.
uchunguzi wa kazi za mlimo, mfugo na uvuvi ndani ya territoire ya Rutshuru. Alors pour le projet Ordivision, c'est vrai il déponya lijenga hapa itasaidia wakaaji sana kwa kazi za kuweka. Alors il dépôt ni namna ingine ya kuhimiza walimaji ili wajiunge pamoja wafanye kitu ambacho kinaitwa cooperative, kisha wanakuwa nauzishia pamoja mazao ya shamba yao na wanauzishia pamoja ili waweze kufaidika ndani ya kazi zao za mlimo kusudi waboreshe maisha ya jamaa zao na watoto wao kusudi maisha yao ikuwe mzuri. Vous savez, l'agriculteur se heurte à beaucoup de problèmes, notamment le problème de conservation. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui, cette inauguration, c'était vraiment un besoin pour la population. Mais maintenant, une réalité, ce n'est plus un rêve, mais c'est déjà une réalité. Et donc, World Vision, qui est un partenaire potentiel de l'État congolais en général, mais aussi du territoire de Rutshuru en particulier, a déjà beaucoup fait et nous sommes tous témoins. Ce n'est pas la première entreprise. Depuis Shinda, Nyarukwangara et voilà qu'aujourd'hui maintenant on est dans Nyamagana. Partout on est en train de faire des réalisations. Hapa population ya hapa ilikuwa bado kujua kulima mzuri kitu yenye wanaita hai bionyu, lakini leo wako tayari. Kwa jumla population ya hapa Nyamagana Busanza inapigia World Vision make ni shangwe tele na vigeregere ya kabambi sana. Asante. En définitive, le mérite vous revient, moi et World Vision, parce que votre accompagnement est visible sur terrain. Le président du comité Iguane, voilà, la compagnie est fou, vous faites des bénéfices, comme ça, vous créez une coopérative et tunaita kama ni depo ile tunataka mjenge madepo zingine zingine puisque Old Vision ishaonesha déjà exemple na pigia tena asante na muendelee ile usaidizi katika chefri. Asante.